Nous allons parler de la cité qui triomphe de ses citoyens. Je vais vous expliquer pourquoi. La cité qui triomphe de ses citoyens. C'est une clé importante qui va nous aider à pouvoir vivre au niveau de sa cité. Alléluia. Vous savez, le pays dans lequel vous vivez détermine le niveau de votre prospérité. N'est-ce pas? C'est pour cela que l'homme se déplace. Il essaie d'aller ailleurs. Que tu le veux ou pas, nous tous ici, nous sommes concernés. Parce que nous ne sommes pas dans nos pays d'origine, pas vrai? Pourquoi? Pourquoi? Parce que nous avons pensé qu'il était mieux pour nous de ne pas être chez nous et de venir ici. Certains sont ici en transit parce qu'ils pensent que ce serait mieux ailleurs. Qu'importe, si tu restes ici, et si toi et moi restons ici et que nous ne rentrons pas encore chez nous, que ce soit pour ceux qui ont choisi de rester ici, ou que ce soit pour ceux qui sont en transit, peu importe, on n'est pas chez nous. Et si on n'est pas chez nous, c'est parce qu'on pense qu'ici ou ailleurs, c'est mieux que chez nous. Je me trompe. Certains sont venus pour étudier et rentrer. Question, pourquoi on n'a pas étudié chez soi? C'est parce qu'on pense que les études sont peut-être meilleures ici. N'est-ce pas? Peu importe. Dieu a mis au plus profond de l'homme l'aspiration au bonheur. L'homme est poussé de l'intérieur à aller là où c'est mieux pour lui. Et personne ne peut changer ça. Il n'y a aucune loi extérieure, aucune organisation humaine qui puisse changer ça. Parce que Dieu a inscrit ce désir au plus profond de chacun d'entre nous. Mais en réalité, Dieu n'a pas mis ce désir pour que nous cherchions un endroit qui sera meilleur. Il a mis ce désir en nous pour que nous le cherchions, lui. Alléluia. Amen. Et quand tu le trouves, lui, il t'instruit de l'intérieur comment faire pour transformer ton désert en jardin. Et quand tu as Dieu, tu peux faire la différence n'importe où. Amen. 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 Alléluia. Amen. Ah, j'ai résumé la vie. Mais vous savez avec moi que les résumés ne suffisent pas. Parce qu'il y a des détails de l'histoire qu'on ne trouvera pas dans le résumé. Mais le résumé est une bonne chose. Il y a beaucoup de questions qu'on se pose, beaucoup de questions. Vous savez, quand Dieu est apparu à Moïse et qu'il lui disait « J'ai entendu les cris de mon peuple », Moïse ne les avait pas entendus, n'est-ce pas? Mais dans la présence de Dieu, il pouvait prendre conscience de la souffrance du peuple. Et c'est ce que Dieu fait avec tous ceux qui viennent dans sa présence de tout leur cœur.
Si tu vas dans la présence de Dieu, pas seulement pour toi-même, mais si tu l'aimes lui et que tu le cherches lui, tu vas entendre ce qu'il entend. Tu vas voir ce qu'il voit. Et tu peux comprendre ce qu'il comprend. Quand l'homme se déplace quelque part, il ne cherche pas d'abord à... Ce qu'il cherche, c'est de profiter de la cité où il se trouve. C'est de profiter du pays où il se trouve. Des milliards et des milliards de dirhams reviennent chaque année dans ce pays par les Marocains qui sont résidents à l'étranger. Ils créent de la richesse là où ils sont, mais ils l'envoient chez eux. Parce que leur cœur est resté ici, mais ils sont allés là-bas pour chercher des biens pâturages. C'est pour cela que vous voyez que souvent les nationaux sont en conflit avec les étrangers. Parce qu'ils se rendent compte que les étrangers ne sont pas intéressés par leur pays. Ils veulent seulement en profiter. Pas vrai? Franchement, si tu vois quelqu'un venir chez toi et profiter de tout ce qu'il y a chez toi, sans vouloir participer au bien-être de chez toi, tu seras content. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous devons essayer de sentir les vents qui soufflent dans ce monde. C'est très important d'être au contact. Pour savoir comment prier et se préparer pour être une réponse divine. Partout dans le monde, les mouvements extrémistes, nationalistes sont en train de monter. Pourquoi? Parce que les nationaux se sentent abusés par les étrangers qui viennent profiter de leur système pour enrichir leur pays. À tort ou à raison, peu importe, si nous voulons être dans la logique veut que tu ne peux pas être content de voir que quelqu'un est chez toi. Je vais donner un exemple simple. Tu as reçu quelqu'un chez toi. Tu lui sers à manger, il mange, il dépose les assiettes. Il ne les lave pas. Il n'éteint pas les lumières. Il va faire 10 jours chez toi sans éteindre la lumière. Quand il met l'eau à chauffer, ça peut bouillir pendant 30 minutes. Il ne va pas payer la bouteille de gaz. N'est-ce pas? Et 10 jours plus tard, il te dit, vraiment, tu es merveilleux. Merci beaucoup. Et il rentre chez lui. Tu entres dans la chambre qu'il occupait. Oh mon Dieu. Il n'a même pas fait le lit. Tu vas l'inviter encore? Ça, c'est une manière simple de montrer notre comportement dans ce monde. Dans la Bible, il y a des hommes de foi qui ont excellé à l'étranger parce qu'ils ont apporté une contribution essentielle à la prospérité de ce pays. Oui, nous voyons toujours l'angle où ils ont eu une bonne relation avec Dieu, certes. Mais une bonne relation avec Dieu doit impliquer le reste. Alléluia. Dieu est le Dieu de justice, n'est-ce pas? Le comble, c'est que nous avons le même raisonnement
comportement dans la cité de Dieu. Nous voulons profiter de cette cité sans nous impliquer, sans nous investir, sans nous sacrifier, sans donner le meilleur de nous-mêmes. Vous m'entendez? Je veux te le dire en te regardant dans les yeux. Si tu veux profiter, par exemple, de la vie de l'Église, du culte, sans faire les sacrifices que tout le monde fait durant la semaine, tu as un mauvais comportement. Un mouvement d'extrême droite peut se lever au sein de l'Église. Les nationalistes patriotiques. Sans le dire au pasteur, ils vont demander à servir dans l'accueil pour être à la porte. Regarde, tu es dans quel service? Tu vas t'asseoir là-bas au fond. On ne va pas faire ça. Alléluia. Parce que dans la cité de Dieu, les richesses sont illimitées. Puise comme tu veux, ça ne finira pas. Par contre, un jour, on se gênera devant Dieu. Et on rendra compte de tout ce qu'il nous aura donné. Ça, c'est l'évangile. Alléluia. Amen. Commençons en Matthieu chapitre 1. Chapitre 4. Matthieu 4. Commençons au premier verset, jusqu'au verset 4. Je vais aller très doucement pour que nous saisissions l'essentiel. C'est une histoire de la vie de Jésus qui est extrêmement puissante. N'oubliez pas, quand vous méditez sur Jésus, n'oubliez pas de vous identifier à lui. Parce qu'il est Dieu, n'est-ce pas? Il est devenu homme pour vivre la vie humaine à notre place. Alléluia. Alors, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché de lui, lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Amen. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Pas de toute parole de Dieu, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. D'accord? Je vais lire dans la version Parole vivante. Alors, l'Esprit Saint conduisit Jésus dans une contrée solitaire, soulignez-le, pour qu'il y soit mis à l'épreuve par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il fut tourmenté par la faim. Alors le tentateur s'approcha et lui suggéra ceci. Il lui a donné une idée. Si tu es réellement le Fils de Dieu, commande à ces pierres de changer en pain. De se changer en pain. Mais Jésus lui répondit, il est écrit, écoutez ça, pour vivre. L'homme n'a pas seulement besoin de pain, mais aussi de toute parole que Dieu a prononcée. Amen.
Voilà pourquoi avoir la Bible ne change pas. Ne change pas grand-chose. Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. Mais la parole que Dieu a prononcée, ça, c'est autre chose. Et c'est quand Dieu ouvre sa bouche pour dire sa parole qu'on entend sa voix. C'est sa voix qui nous donne l'information de ce qui va nous faire vivre. Deutéronome 8, à partir du premier verset. Nous allons voir ce que Jésus a fait, que nous devons apprendre à faire. Parce que quand Jésus dit il est écrit, il fait appel à Deutéronome 8. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Continue. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant combien? 40 années. Où? Dans quel but? Afin de t'humilier. La première chose, hein, t'humilier, c'est de produire en toi un caractère humble, la méfiance en toi-même, en tes propres capacités. Amen. Amen. Il a fait ça pour triompher de toi et de moi. Parce que les cités de ce monde valorisent les valeurs des hommes. La cité de Dieu ne valorisera jamais la valeur d'aucun homme. Afin de t'humilier, mais c'est qui l'humilier, hein? Et une faute. Afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Et si tu garderais ou non ces commandements. Point, attendons d'abord là-bas. Dieu ne le savait-il pas? Il veut que toi et lui vous sachiez. Que ça soit évident pour toi et lui, sans qu'il t'expose chez les autres, mais toi et lui dans ta chambre, et que tu viennes à genoux pleurer, tu dis, ah Seigneur, vraiment, je dis oui, oui, je suis content que tu le saches maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire après? Amen. Je le savais déjà. C'est les gens du dehors qui ne le savaient pas. Parfois même certains le savaient, mais ils ne te le disaient pas. Bon, oublions-les. Le plus important, c'est que toi-même, tu ne le savais pas. Verset 3. Il t'a humilié. Il t'a fait souffrir de la faim. Nous avons lu que Jésus a été tourmenté par la faim. Il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères. Afin quoi? Que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais quoi? Que l'homme vit. Regardez, ce qui est intéressant au commencement, dans notre début de ce message, c'est que on dit toujours que Jésus a été conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Et il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Et quand il eut faim, au comble de sa famine, le diable le fait. Déjà, c'est un miracle qu'il ait tenu 40 jours et 40 nuits. Deuxièmement, c'est pour nous montrer à quel point le diable respectait cet homme.
il n'a pas attendu le troisième jour pour venir lui proposer. Il a attendu que Jésus atteigne un point où on ne peut pas, on ne peut plus supporter la faim, pour lui faire la fameuse proposition. Et Jésus lui répond en utilisant Deutéronome chapitre 8. N'est-ce pas? Nous l'avons vu, n'est-ce pas? Nous savons depuis toujours qu'il faut savoir répondre au diable avec la parole. N'est-ce pas? Parce que c'est ça l'effet de l'esprit. La parole de Dieu. Le rhéma de Dieu, pas le logos. Le logos, c'est la parole de Dieu. Le rhéma, c'est la parole qui sort de la bouche de Dieu. Le logos, c'est la parole de Dieu. Le rhéma, c'est la voix de Dieu. C'est le son de sa parole. Et la cité de Dieu, c'est la cité du rhéma. Pas la cité du logos. Amen. Je viens déjà de faire économie de trois sermons que j'aurais dû partager. Oui, nous devons faire appel à la parole de Dieu pour triompher de l'ennemi, certes. Mais ce matin, je réalise que c'est beaucoup plus profond que cela. Jésus a compris ce que l'Esprit était en train de faire avec sa vie. Jésus a compris qu'il était en train... Vous savez que Jésus est un libérateur, n'est-ce pas? Il est venu pour sauver le monde du péché. N'est-ce pas? Moïse était venu pour sauver Israël de l'Égypte. Lui, il est venu pour sauver son peuple du péché. Donc, Jésus a le ministère de Moïse, le ministère de délivrance. D'accord? Moïse nous délivre de l'emprise de Pharaon, de l'Égypte. Jésus nous délivre de l'emprise de Satan à travers le péché. D'accord? Mais sauf que Jésus s'appelle Jésus. Et en hébreu, c'est Joshua. Qui est le même mot que Josué. D'accord? Parce que Josué, Jésus, c'est Joshua. De la même manière que Josué ne pouvait pas exister sans Moïse, Jésus le Sauveur ne pouvait pas se manifester sans avoir le ministère de Moïse, le ministère de délivrance. Mais la délivrance n'est pas suffisante. Parce que Moïse a délivré le peuple. La puissance de la délivrance a vraiment été manifeste, elle a été réelle, sauf que et Moïse, celui qui a délivré, et le peuple qui l'avait délivré sont morts dans le désert. C'est Josué qui a fait entrer le peuple dans sa terre promise. Et Jésus n'est pas venu comme Moïse. Dieu nous annonce déjà que Jésus ne va pas échouer. Son nom le dit déjà dès le départ. Et quiconque le suit ne sera pas confus. Quiconque le suit vraiment quittera l'Égypte du monde, ne mourra pas dans le désert et se retrouvera dans son Canaan, dans la cité du Dieu vivant sur la terre, le royaume des cieux. Ce que le Saint-Esprit est en train de faire à Jésus, ce sont les 40 ans dans le désert. Jésus les a fait à notre place. Il n'avait pas 40 ans à perdre. Il les a synthétisés en 40 jours et 40 ans. Amen. Amen. Il a eu faim comme eux. Mais il n'a pas attendu que Dieu l'humilie. Il s'est humilié lui-même. Alléluia. Amen. Voici une belle information.
Le choix de s'humilier lui-même, toi-même, peut t'aider à faire en 40 jours ce que tu aurais pu apprendre en 40 ans. Amen. Je parle à quelqu'un? Amen. Donc, la décision du rythme n'est plus entre les mains de Dieu. C'est entre nos mains. Résister à Dieu est une belle manière de perdre son temps. Parce que Dieu ne changera pas d'avis. Tôt ou tard, tu finiras par abdiquer. Donc, le plus vite on abdique, Amen. Le mieux c'est. Amen. Vous m'entendez? Ça ne sert à rien de lutter avec Dieu. Dans ce mois de jeûne, n'utilise pas le jeûne pour amener Dieu à faire ce que tu veux. Utilise le jeûne pour t'emmener à faire ce que Dieu veut. Amen. Pour prendre ta chair et le crucifier sur la croix du jeûne. Et lui dit, je suis fatigué de toi. Moi, je veux faire la volonté de mon Père. Donc, arrête de me poser un problème. C'est ça le but du jeu. Un jour d'humiliation qui est agréable à l'Éternel. J'espère que vous voyez ça dans le dehors. Et le comble dans tout ça, c'est que le diable lui-même, il ne comprend pas. Et sa tentation est en train de servir à établir la volonté de Dieu sans qu'il ne s'en rende compte. Alléluia. J'aime ce que notre pasteur disait. Il disait, le diable fait toujours des œuvres qui le trompent. C'est toujours comme ça. Il creuse une fosse, nous dit la version 8 secondes, et il y tombe lui-même. Savez-vous qu'Aman, dans le livre d'Esther, avait dressé un poteau pour y pendre qui Mardoché. Comment l'histoire a fini? Il était pendu lui-même par son poteau. Regardez, s'il avait gardé sa rancune dans son cœur, il aurait prolongé sa vie. Ceux qui étaient jaloux des amis de Daniel ont inspiré au roi l'idée selon laquelle il fallait punir celui qui ne se prosternerait pas devant la statue du roi. Et ils ont inventé même la sentence. Celui qui refuserait serait jeté dans la fosse, dans une fournaise ardente. N'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qui a été cramé là-bas? Eux-mêmes! J'aime le livre de Daniel. On a jeté Daniel dans la fosse des lions affamés. Quand Daniel est entré là-bas, les lions sont devenus comme des chats. Quand Daniel est sorti et qu'on a jeté les autres, ils n'ont pas eu le temps de tomber. Les lions les ont attrapés en l'air. Quand on a voulu jeter les amis de Daniel dans cette fournaise, jeter cette fois, ceux qui les emmenaient ont été brûlés. Ils étaient derrière eux, alors qu'ils les poussaient. Le feu a traversé les amis et les a brûlés. C'est quelle technologie ça? Comment vous expliquez ça? Ça dit qu'on peut tirer une flèche, elle te transperce, elle tue celui qui voulait te tuer, sans que tu n'aies de cicatrice. La tentation du diable, Dieu s'en sert. Pourquoi? Parce que le diable vient lui dire, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Question, si Jésus avait ordonné aux pierres, s'il avait dit, Pierre, je décide que vous deveniez du pain, qu'est-ce qui allait se passer? Hein? Ça allait devenir du pain. Ça allait vraiment devenir du pain.
Non? Mais Jésus a refusé. Vous savez, quand le diable vous parle, d'accord? Ne vous limitez pas au texte. Regardez comment Jésus lui répond. Il lui dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Ça veut dire que qu'est-ce que Jésus a entendu? Jésus a entendu ceci. Si tu ne manges pas aujourd'hui, tu mourras. Je parle à quelqu'un. Amen. Il faut être sage, avoir le discernement des esprits. Quelqu'un peut venir te dire, il peut venir s'asseoir à tes côtés, commencer à te dire, vraiment, le monde est difficile. Il y a un frère qui est venu me voir, et il était en train de dire du mal de quelqu'un. Il cite ni le nom du frère, ni ton nom, mais il raconte l'histoire de manière à ce que tu comprennes de qui il s'agit. Et de qui il s'agit. Tu vas avoir plus ou moins l'idée de qui critiquait, et qui il critiquait, c'était toi. Et puis il se lève, il s'en va. Et la colère remplit ton cœur. Le diable t'a pas. Il faut avoir le discernement derrière lui. Alléluia. Amen. Et Jésus va beaucoup plus loin. Non seulement il comprend la ruse de l'ennemi, mais il dit, l'homme ne vivra pas de la parole de Dieu, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, de la voix de Dieu. D'une part, il faut discerner la ruse de l'ennemi dans ce qu'il dit. D'autre part, il faut discerner l'intention de Dieu, sa pensée profonde dans ce qui est écrit. Alléluia. Amen. Je disais au Seigneur, montre-moi comment on peut faire pour vivre de ta parole. Vous savez ce qu'il m'a dit? Mais tu le sais déjà. Pourquoi tu me dis ça? Je lui ai dit, montre-moi comment montrer à ce peuple comment on peut vivre avec ta parole. D'accord, je vais te montrer. Et c'est ce que je suis venu faire ce matin. N'êtes-vous pas fatigué d'être chrétien? D'honorer la parole de Dieu, mais de voir que ça ne marche pas. Il y a quelqu'un dans cette situation? Mais en fait, ça marche toujours. Marchera pour nous au nom de Jésus. Amen. Alors, je vais nous montrer quelque chose. Lisons, qu'est-ce qu'on a? D'accord. Commençons en 1 Jean chapitre 5. Verset 1. Il dit, quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Donc, quiconque aime Dieu le Père, doit aussi aimer Dieu le Fils. Verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Pour être né de Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Verset 1, il faut croire que Jésus est le Christ. N'est-ce pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Jésus est le Christ? D'accord. Maintenant, voici ce qui devrait être normal pour nous, notre vie normale.
Puisque nous croyons que Jésus est le Christ, nous sommes nés de Dieu et nous n'en avons aucun doute, n'est-ce pas? Maintenant, voici ce qui doit être notre vie normale. La vie normale de tous ceux qui sont nés de Dieu, c'est qu'ils doivent triompher du monde. Verset 4. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est notre foi. C'est-à-dire, il y a une première foi qui consiste à croire que Jésus est le Fils de Dieu, que Jésus est le Christ. Quand je crois que Jésus est le Christ, je suis né de Dieu. Alléluia. Amen. Deuxièmement, quand je crois, je triomphe du monde. Il y a la foi pour être né de Dieu. Maintenant, il y a la foi que ceux qui sont nés de Dieu doivent exercer. Vous m'entendez? Et c'est l'exercice de cette foi qui triomphe du monde. Alléluia. Mais nous sommes au chapitre 5. Faisons marche arrière, chapitre 4, verset 4. Ce sont les textes que nous connaissons. Au chapitre 4, verset 4, il dit quoi? Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Ce n'est même pas pour les adultes, les pères dans la foi. Parce que, quoi? Celui qui est en vous triomphe du monde? Non. Celui qui est en nous est comment? Regardez, nous sommes dans un monde qui est plus grand que nous et qui a la capacité d'exercer sa pression sur nous. Vous me suivez? Nous sommes dans un monde qui est régi par des lois, des principes, qui est gouverné par un système de servitude, contrôlé par le diable. Et nous, nous sommes nés de Dieu. Jésus dit, Père, je ne te prie pas de les ôter du monde. Laisse-les là-bas, c'est ma prière. Ça, c'est la prière de quelqu'un qui est toujours exaucé. Il dit, je ne te prie pas. Ou bien, inversement, Père, je t'en supplie, ne les ôte pas du monde. Laisse-les là-bas. Mais, je te prie de les préserver du mal. Voici ce que je te demande, Père, qu'ils restent là-bas, mais qu'ils soient protégés contre le diable lui-même, contre le prince de ce monde. Donc, nous sommes nés de Dieu, nés d'en haut, et largués dans ce monde bizarre. Avec l'assurance que le prince du monde lui-même ne peut rien contre nous. Mais ça, ce n'est pas encore le triomphe. Ça, c'est subir sans être atteint. C'est survivre. Et c'est l'histoire de la plupart d'entre nous ici. Nous sommes en train de survivre. Mais nous ne sommes pas heureux. Parce qu'au fond de nous, nous savons qu'il y a mieux que ça. Nous sommes appelés à la vie et pas à la survie. Nous sommes appelés à dominer et pas à subir. Tu le sais. Sans avoir lu la Bible, tu le sens au fond de toi. Tu le sais au fond de toi. Parce qu'il a dit dans le dernier jour, il inscrit la loi dans nos cœurs, sa loi. Il a pris les Écritures, il les a inscrites en nous. C'est inscrit en nous, c'est inné en nous. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris celui qui est plus grand que ce monde, il a mis en nous. Alors, nous avons la capacité de triompher de ce monde. Comment? En ouvrant la porte et en demandant à celui qui est à l'intérieur de sortir. Et de s'occuper de ce qui est autour. Amen. Et ce mécanisme s'appelle la foi. Amen. Amen. Est-ce que j'arrive à expliquer? Amen. Mes amis, ce mécanisme s'appelle la foi. La foi, ce n'est pas d'être adhérent d'une église, adhérent d'une religion chrétienne, appartenir à une dénomination. Non, non, non. Celui qui a la foi sait comment faire ouvrir
pour que celui qui est plus grand que ce monde sorte et qui s'occupe des pressions que le monde cherche à exercer contre nous. Et pour avoir la foi, il faut entendre la voix de Dieu. Regardez, le Saint-Esprit est comme en sommeil en nous, avec sa toute puissance, sa toute science, sagesse, attendant que nous ouvrions pour qu'il montre au monde ce dont il est capable. Mais pour que je sache courir, je dois avoir la foi. Donc je dois savoir écouter le Père. Quand il me parle, et que je crois, et que j'agis, cela donne au Saint-Esprit le droit d'intervenir en ma faveur. Alléluia. Amen. Donc cela m'emmène à le sujet le plus important pour nous. C'est comment faire pour croire. N'est-ce pas? C'est le sujet le plus important. Comment faire pour croire après avoir cru que Jésus est le Christ? Et c'est ça que les chrétiens ne savent pas. Et ils vivent dans beaucoup de frustration. Alors, nous allons voir un aspect de cette réalité. Commençons en Hébreux chapitre 8. Nous allons lire Hébreux 8. Non, Hébreux 11, 8 à 16. Tout ce que je partage par la grâce de Dieu dans cette saison est complémentaire. Je vous conseille de reprendre tous les enseignements et de recommencer à zéro. Parce que je suis en train de parler aisément comme ça à cause de ce que j'ai dit mercredi. Ceux qui étaient là mercredi vont mieux comprendre. Et même si vous avez été là, réécoutez. Nous allons nous arrêter sur cette portion et essayer de comprendre comment le mécanisme de la foi fonctionne. Parce que c'est elle qui nous aidera à triompher de ce monde. C'est par la foi, dites avec moi, par la foi. Par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi, dites encore par la foi. Par la foi. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Car il attendait, vous voyez la fameuse cité, la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi, dites encore par la foi. Par la foi. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi, dites avec moi, dans la foi. Dans la foi. C'est différent, n'est-ce pas? Par et dans, c'est différent. Donc là, on passe à autre chose. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vues. Ils les ont vues, hein?
Ils les ont vus. Donc ça veut dire que ces choses étaient réelles. Et saluer de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Alléluia. Amen. Dans ce passage, il y a par la foi et non la foi. Par la foi et dans la foi. Premièrement, par la foi, Abraham obéit et est parti, n'est-ce pas? Pour obéir et partir là où Dieu veut que tu ailles, impossible de le faire si on ne le fait pas par la foi. L'utilité de la foi ici, c'est que c'est le meilleur compagnon, le meilleur conseiller pour nous convaincre d'obéir, et c'est le meilleur compagnon pour nous guider là où Dieu nous envoie. Par la foi. Par la foi. Deuxièmement, on dit par la foi. Abraham vint, n'est-ce pas? Le verset suivant. Il vint s'établir, merci. Donc, par la foi, quand il vint, c'est-à-dire qu'il arriva, n'est-ce pas? Par la foi, il partit, par la foi, il obéit, par la foi, il partit, et par la foi, il arriva. Écoute, si Dieu te parle et que tu obéis par la foi, mais que tu pars sans la foi, tu n'arriveras pas. D'accord? La foi, toujours la foi, toujours la foi, toujours par la foi. Amen. Amen. Ne te détache pas. Amen. À un moment donné. Ne te détache guère de la foi. Jamais. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que chacun de tes pas doit être dicté par la parole qui sort de sa bouche. Amen. Alléluia. Amen. J'aime le GPS parce que tu mets l'adresse et tant que tu suis la voie, tu vas arriver. N'est-ce pas? Ce que je fais par exemple, quand je suis dans une ville qui n'est pas connue, j'utilise le GPS pour arriver. Alors quand je veux sortir de la ville, je mets le GPS, mais en fait mon but c'est quoi? C'est de me retrouver sur l'autoroute. Parce que cette voie-là, elle me fatigue. Tourner en gauche. Surtout quand il dit, vous dépassez la limite. Donc, vous voyez, dans la vie, au début, on peut dépendre de sa voie jusqu'à ce qu'on arrive sur une autoroute. Ça devient plus simple. On éteint le GPS. Amen. Non. Même si je suis d'accord avec toi. Je ne suis pas en train de dire que je n'aime pas qu'on dise Amen. Parce qu'il y a des gens qui vont conclure ça. D'ailleurs, il faut dire Amen, il ne faut pas faire ça. Ça ne change rien. N'est-ce pas? Veux-tu l'épouser? C'est suspect, hein? Parce que tu ne t'engages pas. Et aucun moyen ne sera établi par un hochement de tête. Regardez, dans la vie, quand on est très, 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 très bas, le GPS est arrivé. Quand on ne sait pas quoi faire, quand on n'a pas les capacités, on n'a pas d'argent, on n'a pas de diplôme, on n'a pas de travail, alors on est assidu dans sa colline. Parce qu'on est comme dans les ténèbres, on doit trouver la voie. Et on ne sait pas quoi faire. Le jour où tu signes le contrat de travail, retourne. Bye bye Seigneur, tu as été un bon et fidèle serviteur. Maintenant je vais te montrer comment j'avance.
commence à faire des projets avec son salaire. Parce que c'est évident, tu as signé un contrat, non? Tu as l'assurance que l'État va te défendre si on veut te licencier abusivement. Et quand tu as eu beaucoup d'expérience, tu as l'assurance sur ton CV. Si on me licencie aujourd'hui, une fois je vais être dédommagé, mais très vite je ne chômerai pas à cause de mon expérience, de mon expérience. Tu as l'assurance qu'à la fin du mois, le salaire tombe. Pas vrai? Pas vrai? Pour ceux qui travaillent. C'est tellement logique que tu vas être payé à la fin du mois. Tu penses? C'est aussi sûr que ça. La cité des hommes n'est pas inébranlable. Il n'y a rien dessus. Je suis sûr d'une seule chose, c'est que le Seigneur est en moi. Amen. Et qu'il m'a appelé. Ce n'est pas ça qui fait mon appel. Parce que ça, on peut le perdre. Il dit à Marthe, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Il est en nous. Il est en nous. D'accord? D'accord? Écoute-moi très bien. Donc, par la foi, toujours par la foi. Toujours par la foi. Et quand tu as des possibilités, des capacités, rends grâce à Dieu. Trouve toujours un moyen de connecter ça à Christ. Dis, ce travail, c'est grâce à Jésus. Ce diplôme, c'est grâce à Jésus. Mes amis, est-ce que quand ton salaire tombe, est-ce que tu rends grâce? C'est grâce à Jésus que tu as eu ce salaire. Amen. Vous ne croyez pas? Amen. J'aime ce que ma femme fait. Vous savez, nous, nous pasteurs, pasteur Alette et pasteur Doudou, nous donnons notre dîme au Centre international d'évangélisation, à l'église de Papa Karambé. Nous donnons notre dîme là-bas. Parce que c'est l'église qui nous nourrit en tant que ministère. Mais c'est au Burkina. On ne peut pas envoyer comme ça, on ne fait pas des dîmes bancaires. Nous n'avons pas encore trouvé de solution pour ça. Qu'est-ce qu'on fait? On collecte notre dîme. En attendant l'occasion d'envoyer, on trouve toujours des occasions par la grâce de Dieu. Mais elle m'a appris une chose. C'est que moi, je ne suis pas dépensier. J'ai appris à vivre sans argent. Je n'ai pas de carte guichet. Je suis encore de la vieille école. Je vis avec des billets. C'est-à-dire, je fais un retrait en début du mois. Et le minimum dont j'aurais besoin en termes de billets, et dans ma poche, je n'achète pas n'importe quoi. Tu ne peux pas me pousser à acheter ce que je n'ai pas prévu. Le désert m'a appris à vivre avec ça. C'est le désert qui m'a aidé à faire ça. Je n'achète guère quelque chose sur la journée si je ne l'avais pas prévu. Emmène-moi à ma Jeanne, mon comme tu es. Je suis insensible au marketing. C'est un faux client. À chaque fois que j'improvise et je parle sans orgueil, c'est pour aider quelqu'un. Parce que je suis insensible au marketing, mais je ne peux être insensible à la souffrance de quelqu'un. Donc, c'est là où j'improvise. Donc, parce que je vis comme ça, je sais que ce que Dieu nous donne est en sécurité en banque. Donc, j'avais tendance à laisser là-bas. Et le jour où on a l'occasion d'envoyer notre dîme, on prélève. Mais elle m'a appris autre chose. Avant d'utiliser un dirham de ce que le Seigneur nous donne, elle prélève d'abord la dîme. Moi, je ne voyais pas à quoi ça sert. De toute façon, l'argent est là. Mais j'ai trouvé qu'elle avait raison. Parce qu'il doit être le premier.
Parce que qu'as-tu que tu n'aies reçu? Amen. Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Donc, notre première défense, si on peut parler ainsi, c'est la vie. Amen. Par la foi. C'est pour cela que nous n'avons qu'un seul combat dans la vie, c'est de garder la foi. Parce que le diable sait très bien que là où il peut te détacher de la foi, c'est là où il va te mettre. Le plus important, ce n'est pas de bien commencer, c'est de bien terminer. La fin d'une chose vaut mieux. Donc, par la foi, il obéit. Par la foi, il partit. Par la foi, il arriva. Mais ce n'est pas fini. Et par la foi, Sarah va apprendre quelque chose à Abraham. Par la foi, Sarah découvre la fidélité de Dieu. Par la foi. Le caractère de la foi est magnifique parce que un homme qui marche vraiment par la foi, c'est-à-dire qui marche selon l'esprit et pas selon la chair, il sait reconnaître là où il a le leadership et il utilise son leadership pour aider les autres. Il sait reconnaître là où l'autre a le leadership et il s'humilie pour reconnaître le leadership. Regardez ici. Là, ce n'est plus Abraham qui a le leadership. C'est Sarah. Et on voit dans le verset 11, Abraham s'effaçait. Et apprendre ce que sa femme a appris de Dieu, que lui ne savait pas. Mais regardez le verset 12. On célèbre Abraham grâce au complément de Sarah. Tout leadership qui vient de Dieu, et pour notre bien. Donc si tu résistes à cela, en fait, tu es en train de détruire ta propre bénédiction. Je ferme la parole. Donc, par la foi, il obéit. Par la foi, il partit. Par la foi, il arriva. Par la foi, il a pris. Il a pris. Toujours par la foi. Vous voyez comment on peut triompher du monde? Par la foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Nous avons d'abord triomphé du péché par la foi, en obéissant, n'est-ce pas? Mais pour le reste, nous devons apprendre à partir, à arriver et apprendre de Dieu lui-même. De Dieu lui-même. Et c'est ça qui est important. Et ceci nous emmène au verset puissant. Hébreux 11:13, on dit, c'est dans la foi. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe dans la foi? C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vues. Alléluia. Alléluia. Amen. Ils sont morts sans avoir obtenu, mais ils les ont vues. Dans la foi. Dans la foi. Si tu n'arrives pas là-bas, tu vas être frustré. Parce que tu avances encore par la foi. Mais quand tu es dans la foi, tu as les visions divines. Tu n'interprètes pas les réalités comme tout le monde. Alléluia. Tu n'interprètes pas les réalités comme tout le monde. Et je vous l'ai déjà dit, affiche le verset 39 et 40. On n'a plus le temps. 39 et 40. Dans le verset 39 et 40, toujours de Hébreux 11, tous ceux-là, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu, n'est-ce pas, ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à quoi? À la perfection. Dans le verset 12, 22, 23, 24, on parle des esprits des justes parvenus à la perfection. Ils n'ont pas obtenu, pourquoi? Parce que Dieu ne voulait pas qu'ils obtiennent ça sans nous. Maintenant que nous sommes arrivés là-bas, eux aussi sont arrivés. Alléluia. Amen. Le succès d'un fils est le succès de son père. Amen.
ici parmi nous des gens qui, et ce n'est pas une malédiction que je libère, non, c'est une parole de sagesse, donc une bénédiction. Il y a ici des gens parmi nous dans cette assemblée qui ne vont pas atteindre la prospérité matérielle à laquelle ils croient. Mais ils ne quitteront pas la terre sans que cela devienne réel pour eux. Et ils vont léguer leur foi à leurs enfants, de sorte que leurs enfants toucheront ce qu'eux, ils ont vu. Donc, quand tu crois ça, arrête de te lamenter, ça marche. Si ça devient réel dans ton esprit, tu l'as touché. Amen. Et ça fera que tes enfants, la vie sera beaucoup plus facile pour tes enfants. Grâce à toi. Parce que tu leur auras légué un héritage spirituel. Amen. Alléluia. Amen. Verset 6. C'est par la foi. Non. Verset 6. En 6. C'est dans en 6. Or, sans la foi, hein, il est comment? Il est agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et qui quoi? Ceux qui cherchent l'accomplissement des promesses? Amen. Ceux qui le cherchent, lui. Amen. Ces gens-là sont morts sans avoir obtenu ce qui leur était promis, mais ayant obtenu celui qui leur avait promis ces choses. Amen. Regardons comment ils sont morts. Genèse 25. Je suis en train de parler dans la foi. Genèse 25, 7 à 8. Voici les jours des années de la vie d'Abraham. Il vécut 175 ans. Abraham expira, mourut, après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié du jour. Savez-vous que aujourd'hui, si tu atteins 100 ans sans Christ, tu vas souhaiter la mort. Parce que tous les Alzheimer vont venir. La vie est cesse d'être agréable. Ah ouais. Je voulais juste qu'on voit ça. C'est pas la longévité pour la longévité. Hein. Je connais des personnes âgées qui prient pour partir. Ils sont devenus comme des bébés. Vous savez qu'il y a des couches des personnes du troisième âge. Oui. C'est honteux. Ils n'aiment pas ça. Donc, ce n'est pas la longévité pour la longévité. Ils ont eu une longévité de qualité. Ils sont morts sans amertume. Quelqu'un qui meurt comme ça, vous pensez qu'il quitte la terre avec des frustrations? Qu'est-ce qu'il a comblé? Sa connaissance de Dieu. Ce que Sarah a apporté à Abraham. Il dit, mon frère, à deux reprises, tu as dit que j'étais ta sœur. Alors, je vais te parler comme ta sœur. Mon frère, je t'entends quand tu pries. Tu dis, je suis pleinement convaincu que ce que Dieu promet, il peut l'accomplir. Assis-toi maintenant. Dis-moi, c'est toi qui es devant. Tu parles à tout le monde. Lundi, toi, tu vas t'asseoir et m'écouter. Si Dieu promet quelque chose, il va le promettre. Il est fidèle. Tu entends, mon frère? Parce que quand tu as la foi, j'appelle ça la foi performante, tu vas être misérable. Dieu va faire beaucoup de choses par toi, pas grand chose pour toi. Tu seras l'homme d'onction du dehors, mais quand tu rentres à la maison, tes parents te disent coucou, nous sommes là, chasse-nous. Et tu sais pas, plein d'hommes d'onction racontent ça. Il guérit les malades, lui-même il est malade. Il chasse les démons, lui-même il est tourmenté par des pensées bizarres. Et Sarah a porté ça à Abraham. Dieu est fidèle. Il faut le connaître.
Abraham a cru à la fidélité. Dieu lui-même est devenu son héritage. Comment est-ce qu'on peut être malheureux quand on a Dieu? Qu'est-ce qu'on peut manquer? David était un grand guerrier. Mais regardez comment il a mûri, comment il parle. Il dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand mes ennemis s'acharnent contre moi, ce sont eux qui tombent. Pourquoi? Parce qu'il est une chose de savoir que Dieu est ton sauveur. Mais de savoir qu'il est ton salut, ça c'est autre chose. Amen. Il dit, l'Éternel lui-même est mon salut. Je ne dépends pas de ses techniques pour sauver. Je dépends de lui. Amen. Il dit, l'Éternel est mon calice et mon lot. En fait, il est en train de dire, l'Éternel lui-même est la couronne sur ma tête et mon héritage. Ce n'est pas un compte en banque qui fait ma valeur. Amen. Mon compte en banque, c'est Dieu lui-même. Amen. L'or et l'argent lui appartiennent. Amen. Si tu dis que je suis misérable, tu es ignorant. Tu ne vois pas ce que moi je vois. Il n'y a pas de chiffres sur mon compte. Il n'y a pas assez de place pour des zéros. Parce que l'Éternel lui-même occupe mon compte. Dans la foi, tu peux mourir sans obtenir les choses. Mais tu connais ta plus grande richesse. C'est lui. Quelqu'un est en train de dire, parce que là tu as mal fini. Je veux te montrer quelque chose. Donnez-moi encore quelques minutes, s'il vous plaît. Chapitre 35, Genèse 35. Pour montrer la pertinence de cette réalité. Et je ferai une relation avec notre titre pour conclure. Chapitre 35, versets 28 et 29. Les jours d'Isaac furent de 180 ans. Il expira et mourut. Il fut recueilli auprès de son peuple, âgé et rassasié le jour. J'ai envie de dire comme Abraham, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc, Isaac a bien fini comme Abraham. Ok? Allons voir Jacob. Jacob, où es-tu? Chapitre 47. Allons voir la fin de Jacob. Verset 7 à 10. 47. Joseph fit venir son père, Jacob son père, et le présenta à Pharaon. Et Jacob bénit Pharaon. Il connaît sa valeur. Petit, assieds-toi. J'aime ça, waouh, j'aime ça. Verset 8. Pharaon dit à Jacob, quel est le nom des jours de ta vie? Oh, avance. Il ne faut pas toujours que je dise. Jacob répondit à Pharaon, les jours, les années de mon pèlerinage dans cette sont de 130 ans. Les jours, les années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais. Et n'ont point atteint les jours des années de la vie de mes pères durant leur pèlerinage. Ça, c'est Jacob. Pourquoi il parle comme ça? Parce que Jacob avait un problème. Il n'avait aucune relation avec le Dieu de ses pères. Mais croyant la bénédiction du Dieu de ses pères. Ça, c'est Jacob. Il voulait profiter de cette cité
sans se soumettre au Seigneur dans celle-ci. On le voit en Genèse 28, il dit, si tu me bénis, si je reviens ici en ayant ceci, cela, alors tu seras mon Dieu. Vous entendez? Réfléchissons à la manière dont on traite Christ. Deuxième problème de Jacob, c'est qu'il ne connaissait pas la grâce. C'était un homme qui luttait depuis le ventre de sa mère. Il a commencé à chercher le pouvoir depuis le ventre. Il a attrapé le genou de son frère. Quand Jacob était calme, c'était suspect. Il cherchait une occasion. Il cherchait une opportunité. C'était un opportuniste. Nous sommes en Christ, n'est-ce pas? Nous partageons les alliances des promesses, n'est-ce pas? Nous avons droit à la cité du Dieu d'Israël, pas de Jacob. On l'a vu dans Ephésiens 2. Ça, c'est dans Ephésiens 2, 11. Mais au verset 9, il dit, ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se... Et à cause de cela, à un moment donné, Dieu lui-même a commencé à résister. Parce qu'il voulait corriger ses travers en lui. C'est toujours ça. Fait passer par le désert pour nous humilier. Vous me suivez? Oui. Je suis en train de conclure. Mais Jacob avait un autre problème qui pour moi était son plus grand problème. Jacob ne connaissait pas l'amour paternel. Il était clair que papa préférait Ésaü. Il n'était construit que par l'amour maternel. Quelque chose lui a manqué. Que Dieu a dû combler. Alléluia. Amen. Premièrement, être en relation avec Dieu. L'aimer plus que ses promesses et ses bénédictions. N'est-ce pas? Deuxièmement, apprendre la grâce. Arrêter de manipuler pour atteindre un but. Troisièmement, apprendre à être touché par l'amour de Dieu le Père. Laisser Dieu te remplir de son amour en tant que ton Père. Parce que ça, ça manque beaucoup. Vous savez, quand on n'est pas comblé en soi, on cherche à prouver des choses. On cherche à prouver des choses dehors. Regardez Jésus. Regardez Jésus. J'espère que vous me suivez encore. Regardez Jésus. Qu'est-ce que le diable est venu dire? Si tu es fils de Dieu, prouve-le. Prouve-le au dehors. En transformant ces pierres en pain. Mais papa avait déjà dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Il n'y a pas à prouver. Amen. C'est pas pour les autres. Ne prends pas ce chemin-là. Ne prends pas ce chemin-là. Ça suffit jamais. Il n'y a pas à le prouver. Il y a simplement à recevoir. Et à l'accepter pour soi-même. Ne cherche pas à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu a lutté avec Jacob pour que Jacob devienne Israël. Dieu a dû lutter avec lui pour le briser. Dieu a dû triompher de lui. Alléluia. Amen. C'est pour ça que je parle de ce titre.
dans cette cité, Dieu veut triompher de ses citoyens. À un moment donné, il deviendra lui-même ton adversaire. Il est évident dans la vie chrétienne de voir cette lutte qui éclate à nos yeux entre les désirs de la chair, c'est-à-dire nos désirs personnels, et la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas des citoyens qui exploitent sa cité. Il veut des citoyens qui se laissent transformer par lui. Il veut ça. Et par amour pour nous, il nous résistera. Par amour pour nous. Et vous savez, quand Dieu triomphe de toi, il t'appelle vainqueur. C'est merveilleux. Je veux que tout le monde voit ça. Genèse 32. Affiche ça comme ça, tout le monde va voir. Tout le monde va voir. Cherche là où il était, qui lutta avec Dieu toute la nuit. Il resta seul. Et je commence pendant qu'il cherche. Vous voyez ici, Jacob va avoir la dernière épreuve de sa vie, l'angoisse de son frère Isaïe qui arrive. L'angoisse, il était angoissé. Et vous voyez Jacob, malgré tout ce qu'il a appris de Dieu chez Laban, qu'il a exploité, son vieil homme fait surface. Il commence encore à créer des intrigues. Il divise son camp en deux. Il envoie des cadeaux. Mais Esaü n'a rien à voir à faire avec ça. Lui-même, il est béni. C'est son honneur qui est en jeu. Ce n'est pas les biens. Donc, Jacob comprend tout de suite que tout ce qu'il a envoyé devant lui ne va pas agir. Parce que les messagers lui ont dit, il n'a pas accepté. Aïe, 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 je suis foutu. Je suis foutu. Donc, Dieu l'a remis à l'étroit. Et finalement, Jacob est resté seul avec Dieu. Seul. Seul. Ouais, ce désert de solitude où l'Esprit a envoyé Jésus à ta place ainsi qu'à la mienne. Où pendant 40 jours et 40 nuits, il est en train de nous dépouiller de tout ce qui fait notre force pour nous apprendre l'humilité. Pour nous apprendre cette simple prière de dire, Seigneur, je n'ai pas assez pour m'en sortir. Je ne sais pas quoi faire pour avancer dans la vie. Si tu ne m'instruis pas, je suis un perdant. Et là, il se lève. Et il vient. Il lutta avec l'ange. Tu es où? Genèse 32. Je ne t'ai pas dit d'aller chercher un mot. Genèse 32. Il resta seul. À partir de quel verset? 24. Genèse 32, 24. Jacob demeura seul. Alors un ange lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Pour vous dire à quel point il était fort. Pour vous dire à quel point il était fort. Parce que cet homme n'était pas n'importe qui. Il a eu du mal à le vaincre. Verset 25. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'endroit. Il ne pouvait le vaincre. Le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Autrement dit, il ne pouvait plus lutter après. Vous comprenez? Il ne pouvait plus lutter après. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit. Regarde, un fervent poursuivant de bénédiction. Ben, c'est pas fini. Il dit, je ne te laisserai point aller que tu m'aies béni. Il est en train de dire, même avec ma dernière énergie, même en boitant, pourvu que j'arrive. Et il dit, quel est ton nom? Je vois où est le problème. Il répondit, Jacob, c'est-à-dire l'usurpateur, le trompeur, le manipulateur, croyant. Croyant, mais
Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Pourquoi? Est-ce que c'est vrai? Non. Est-ce que c'est vrai? Quand Dieu arrive à te vaincre, il t'appelle vainqueur. Et si Dieu t'appelle vainqueur, aucun homme ne peut te vaincre. Regarde ce qu'il comprend après. Ensuite, Jacob l'interrogeant en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Maintenant, je m'intéresse à toi. Amen. Ça, ce n'est plus Jacob, c'est Israël. Ne me laissez pas troubler, même quand on dit Jacob l'interroge. Comprenons l'intention de l'Écriture. Jacob cherche la bénédiction, Israël cherche son nom. Amen. Amen. Alléluia. Ce qui manque à la plupart d'entre nous ici, c'est que Dieu puisse triompher de nous. Regarde. Quand Dieu dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de sa bouche, quand il dit à Josué que ce livre de la loi ne sera pas, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, ce que Dieu est en train de dire, il dit, je veux changer ta logique. Pour toi-même, tu sais que pour réussir ça, il faut faire ça et ça et ça. Moi, je sais qu'il faut plutôt faire ça et ça. Mais mon problème avec toi, c'est ce que tu sais. C'est ce que tu sais qui me pose problème. Parce que moi, je veux t'amener ailleurs. Moi, je pense autrement. Je t'ai donné ma parole. La parole qui sort de ma bouche peut t'enseigner. Le deuxième verbe, c'est quoi? Te convaincre, te corriger, t'instruire dans la justice. T'instruire dans la justice, ce n'est pas un mot théologique. C'est de t'instruire de ce qui est juste, ce qui est juste à faire. Combien de gens compliquent leur vie en faisant ce qui n'était pas juste. Le problème est déjà là. S'ils n'avaient rien fait, ça serait différent. Mais parce qu'il a agi par lui-même, il a compliqué le problème. Il dit, le problème avec toi, Jacob, quand tu étais dans le ventre de ta mère, tu n'avais encore rien fait. Moi, j'avais décidé que ce serait toi. Et tu as commencé à lutter. Le problème avec toi, Jacob, pour avoir la bénédiction, vous avez manipulé avec ta mère. J'avais déjà parlé. Voici comment ta vie est devenue difficile. Les jours de ta vie ne ressemblent pas à ceux de tes pères. Parce que j'ai toujours poursuivi de briser la tendance de la chair. C'est la cité qui triomphe de ses citoyens. Ce n'est pas une cité qui est au service de ses citoyens. Il y a une grande bénédiction à arrêter de lutter contre Dieu. Alléluia. Amen. Une grande bénédiction à ce moment. Par le Seigneur, Saint-Esprit. Par le Seigneur.